Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler dans cette vidéo se trouve en dessous dans la barre de description, que ce soit les tricots que je porte, les tricots que j'ai sur mes aiguilles et ce que je peux recevoir, les achats, tout ça, et dont je vous parle durant la vidéo. Vous retrouvez tout en dessous. On peut me suivre également sur Instagram sous le pseudo Lodemoiselle, comme ici, et également sur Ravelry où toutes mes fiches tricot sont à jour. Allez, c'est parti! Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine. Un grand merci à vous pour tous les messages que vous me laissez sous chaque vidéo et tout, pour tous vos partages. Et aussi un très très grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue sur Ko-fi. Ça m'a vraiment extrêmement touchée de voir que vous avez été nombreux à passer par là. Et donc merci, merci énormément de votre implication dans ma chaîne, de me soutenir autant, ça me touche énormément et ça me booste pour poursuivre. Donc merci beaucoup à vous. Aujourd'hui je porte le pull Pita, un modèle de Nadia. Enfin, on se refait pas de NCN, ce que j'avais tricoté en Ulysse de Dererum Natura. Si vous avez suivi en fait le test que j'ai sur mes aiguilles, mais que je tricote pas en ce moment, c'est la même gamme, même famille que ce pull là. Voilà, le Niki que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, c'est dans le même genre de jacquard que ce pull là, le Pita. Oh, j'aime beaucoup. Et en fait quand j'ai vu le Eddie, je voulais repartir dans ces couleurs là, mais ça n'avait pas de sens, je l'ai déjà. Donc voilà. Pour ce que je porte, alors aujourd'hui on va refaire un point sur ce que j'ai sur mes aiguilles. Comme la semaine dernière, je ne m'étale pas trop sur mes projets, principalement la couverture de Noël, hein, qui est mon projet de Noël de l'avant, et mon pull Gaja pour qu'il soit prêt pour Noël. On commence tout de même avec un tricot terminé. Je vous l'avais dit la semaine dernière quand je vous en ai parlé en fin de vlog, on avait un match de basket. Bon. Noah jouait un match de basket. Moi j'avais 2-3 heures dans les gradins à attendre. Combien de temps on reste quand on fait un match de basket? On est resté 2 heures. J'avais 2 heures de gradins. Voilà, c'est ça que je devrais dire. Moi j'avais 2 heures de gradins. Donc j'ai 2 chaussettes. Voilà, je ne sais plus laquelle et laquelle. Pff, laquelle des deux j'ai terminé. Mais toujours est-il qu'il me restait. J'en étais là. Bon, bah, j'ai fait mon truc là. Comment on appelle ça? La tige, j'ai fait les côtes et tout. Et voilà, ma paire de chaussettes avec c'était la dernière box de Ghibli d'Arco Erician qui était sortie est faite. Voilà. Donc, comme j'ai terminé une paire de chaussettes, j'en ai recommencé une. Les chaussettes, c'est vraiment mon petit tricot indispensable que j'aime bien transporter partout. Et voilà un nouveau début. Des côtes, hein, tout simplement des côtes 3-1 avec un montage tubulaire. Le tubulaire Caston d'Andrea Mori. Si ce sont des chaussettes qui commencent par les côtes, c'est que c'est pas des chaussettes que je fais de moi-même. C'est que je suis un patron forcément, parce que sinon de moi-même je commencerai jamais par les côtes. J'aime bien commencer par les pointes et je commence à un modèle qui est dedans. Donc c'est des chaussettes que je réalise pour mon garçon. Je voulais lui faire surprise pour son anniversaire, mais j'ai eu besoin de mesurer son pied et tout. Et heureusement qu'on en a parlé parce qu'il a... Il sait ce qu'il veut, il a une idée précise de ce qu'il voulait pour ses chaussettes et tout. Donc ça sera pas surprise parce que moi je tricote quand eux ils sont très très longs à manger. En fait je mange trop vite.
c'est ça aussi, et eux ils mangent très lentement à table, donc je tricote tout ça quand je les attends en voiture, enfin bref. Donc sinon ça, j'aurais pas pu les tricoter comme je voudrais, donc il le sait, c'est pas grave, c'est pour faire ces modèles, cette chaussette là. Dans le livre de Charleston, donc en fait, faut faire les côtes, le jacquard, et ensuite elle commence déjà le talon. Sauf qu'en fait, il veut des chaussettes qui montent plus haut. Chose qui m'arrange parce que là, on monte, on fait les côtes. Je vais faire la taille 72 mailles. Je savais pas trop ce qu'il a. En fait, il a une cheville comme ça. Il a une cheville vraiment très très fine. Et en fait, pour le jacquard, elle nous fait augmenter jusqu'à 80 mailles pour faire le jacquard, et après on revient à 72 mailles. Et c'est pareil pour les 56 et 64 mailles, on augmente et puis après on réduit. Et donc en fait là, comme on monte, je vais monter un peu plus haut sur sa jambe, les 80 mailles seront mieux situées sur sa jambe, je pense, et ça tiendra mieux. Donc voilà, je commence la chaussette. Et là, pour ce premier coloris, ma laine principale c'est ça, c'est la Javol de Langyarn. Le coloris, je sais pas, mais de toute façon c'est des chiffres, je le mettrai dans ma... dans ma fiche Ravelry. Après, j'ai un reste de la bien-aimée de mon dernier Steven West, là, le MKL. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser du blanc de Lana Grossa que j'ai utilisé pour mes chaussettes Caraba. Et ensuite, il me faut encore un peu de... un tout petit peu de rose et de noir, mais on verra ça à ce moment-là. Donc voilà, nouvelle chaussette pour mon grand. C'est à son tour d'avoir des chaussettes avec du jacquard, le petit... Alors, j'ai dit que c'était un husky, je crois qu'il m'a dit que c'était un shiba. Enfin bref, avec le chien, voilà. Ensuite, je vous avais quitté la semaine dernière avec mon pull Gaja. J'avais fini l'encolure et les côtes du bas, qui me restait à faire les deux manches. Et donc, hop. Alors le modèle Gaja, je ne sais pas du tout le nom de la designeuse, je vous le mets à l'écran, et je le tricote en laine de mout dans sa base Mout Mermo Coloris Miss Malachite. Et regardez-moi ça, j'ai une manche, voilà, j'ai fait ma manche. Alors je suis super contente parce que je passe tout pile dans ce qui me reste pour faire mes deux manches. Il me restait 80 grammes, j'ai utilisé 40 grammes pour faire la première manche. Ouh, tout juste bien. En reprenant ma manche, je me suis rendu compte que j'ai faux à trois endroits sur ma grille de motifs. C'est que cette maille-là, la maille centrale et la maille ici, elles devraient être plus accentuées comme sur le côté du corps. Vous voyez, là sur le côté du corps, on voit bien la maille torse. Et ça aurait dû faire le même effet sur la manche, à ces trois endroits-là. Sauf que je l'ai pas fait attention à ça en faisant... le petit morceau qu'on fait sur le haut de l'épaule, hein. Hop. On commence par faire cette bande là de dentelle, et je me suis trompée donc dès le début. Donc j'ai fait, comme j'ai tricoté mon début de dentelle, bah, j'ai fait toute la manche comme ça. Alors c'est pas bien grave, hein, ça change pas grand chose, c'est juste que je vous le dis, c'est un petit détail que moi je me suis trompée. Au niveau des côtes, je vous l'avais dit, dans le bas du corps on faisait des côtes de 2, au niveau de l'encolure c'était des côtes 1 torse. Et bien sur les manches, on a les deux. Pour suivre le motif, et ça je trouve ça super beau, on fait des côtes 1-1 torse, mais le reste du poignet est fait en côte de 2. Et j'aime beaucoup ce petit détail. Ce modèle est plein de petits détails comme ça que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ces petits détails. C'est pas grand chose, mais c'est ce qui fait tout. Et donc j'ai déjà entamé ma deuxième manche. Voilà, moi qui avais peur de ne pas le finir pour Noël, voilà, je pense que cette semaine j'aurai fini la deuxième manche. Et il sera parfait pour Noël, je l'aime beaucoup, il va être super doux, super agréable, j'aime beaucoup. Ah, au niveau de la manche, je l'ai rallongée aussi, hein, parce qu'elle n'est pas longue comme ça, normalement c'est des manches 3/4 et moi je voulais des manches longues parce que je vais porter en hiver. Voilà, et j'ai marqué, il y a en fait quelques diminutions mais pas énormes, vous voyez. C'est pas énorme. Enfin voilà, donc ça c'était pour mon pull Gaja, donc l'objectif de cette semaine, finir la deuxième manche. Et enfin, le gros projet de Noël, mon plaid, ce modèle. Alors c'est pas vraiment un modèle, je sais pas, il y a un nom de designer, mais je m'en souviens plus, je vous avais dit c'est un modèle de West Yorkshire Pinners, parce que c'est vraiment, c'est fait avec leur laine tout ça, mais bon bref, il y a un nom de designer spécifique, mais c'est quand même... Ça restera pour moi le plaid de West Yorkshire Spinners. La Woodside Christmas Blanket. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous avais quitté là.
Parce que ça, c'est samedi, dimanche. Non, raté. Je vous avais quitté là? Bah non, je vous ai fait. Non, samedi, on s'est vu. Donc ça, dimanche et lundi. Pff, je vais y arriver. J'ai fait, en fait, une fois, tous les motifs une fois. Il faut encore que je reproduise ça deux fois. Voilà. Il faut que je reproduise ça une deuxième fois. Alors moi, la différence par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, c'est que moi, mes cœurs, ils devraient être roses. Sauf que je trouve que... bon, là, vous allez me dire, la caméra, ça se voit bien, les contrastes, tout ça, la caméra, ça aide. Mais en vrai, on ne voit pas bien. Et vu que il y avait tous ces petits points là, comme ça, là, c'est très joli. Mais je me suis dit, mon bordeaux sur mon marron, ça va se perdre, ça va pas bien se voir et ça serait dommage. Donc, j'avais acheté un autre beige. Et là, je pense que vous voyez, il est plus blanc que celui-là. Pour faire ça, pour ch changer. Donc voilà, j'ai utilisé une autre couleur, mais bon, c'est pas choquant. Je pense que cette couleur-là, je vais pas la répertorier parce qu'en fait, je l'ai pas mise sur ma page Ravelry parce que elle est pas répertoriée dans les coloris qui existent déjà, donc je l'ai pas mis. Au niveau de la quantité, je compterai cette couleur-là avec celle-là. Voilà, et le motif du jour, c'était du beige avec du rouge. Une toute petite section qui était rapide à faire, ça c'est chouette. Alors, ma couverture à la fin sera quand même plus grande que ce qui est préconisé. Elle doit faire 1,42 m, la mienne va faire 1,90 m. Hein, je vous l'avais dit, mon choix de laine est plus épais et je m'en doutais. Donc elle sera certainement aussi plus large. En fait, on pourra passer à deux en dessous dans notre canapé. Pas de problème. On va être bien au... Puis alors là, on va être bien au chaud, je vous le dis. J'ai racheté de la laine, j'espère en avoir assez. J'ai pu acheter les 5 dernières pelotes de marron qu'il y avait sur Kalidou. Voilà. Donc j'ai racheté des pelotes, il m'en fallait 5 marrons, 4 beiges, 2, 3 rouges, un truc comme ça. Donc j'ai racheté un peu ce qui me manquait en espérant que ça soit suffisant. Et vous avez été plusieurs à me le dire. Alors j'y avais pensé hein, tout au début, quand j'ai commencé à faire mes sapins. Alors oui, elle aurait pu être tricotée en rond et stickée ensuite. Alors une fois que moi j'étais lancée, j'étais lancée. J'avoue que pour la section des sapins, c'est celle que je dois recommencer demain, c'est pas ce qui me réjouit le plus. C'est la plus compliquée, je trouve. Ouais, je trouve que c'est la plus compliquée à faire. Oui, celle-là, tricotée en rond, ça aurait été plaisant. Après, tout le reste, tricoté en aller-retour, et bah ça va. Franchement, du jacquard en aller-retour, je sais pas, on s'en fait toujours une montagne, mais moi personnellement, c'est pas un problème. J'adore le rendu, c'est tellement beau. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment que ce soit de la grosse laine. Et si vous prenez le kit, en fait, qui est préconisé, c'est un peu plus fin quand même comme laine. Et voilà derrière. Alors, je le fais avec une tricopine qui croise énormément ses fils. Bah, moi, je croise quasiment jamais, jamais. Et j'adore le rendu non croisé. Regardez, on voit en négatif les motifs. Et franchement, ça se passe bien. Il n'y a que là, au niveau des sapins, où je vais faire attention de croiser plus. Parce que c'est ces zones-là qui me demandent un... En fait... Au sapin, j'ai fait la fameuse technique que j'avais appris il n'y a pas longtemps, là, qui fait des espèces de toiles d'araignée. Et en fait, mais c'est que ça fait trop de mou derrière, en fait, c'est pas... À ça, on s'accroche. Donc, je vais croiser mes fils classiquement derrière, pour que ça soit plus près du tricot et moins... Et que ça bouge moins. Mais vous voyez... Ça va être vachement élastique, je pense que ça va encore s'étirer au lavage. Parce que je compte bien la laver pour que ça se mette bien en place. Mais ouais, je trouve que même l'arrière, finalement, il est pas mal. Il rend pas mal aussi. Donc voilà, ben je tiens mon rythme et on est parti cette semaine. Donc je recommence avec demain, avec mes sapins que je divise en deux parce que c'est une grosse section. Et vous êtes tous d'accord aussi pour me dire que ce sont des poinsettias. Voilà! Et ouais, j'aime beaucoup le rendu. Ça va être super chaud ça. Très très chaud. Donc voilà tout ce qu'on va suivre cette semaine. Donc notamment l'avancée du plaid de Noël, la manche de mon pull gageot et puis les chaussettes. Je sais pas le nom des chaussettes, j'ai même pas regardé, mais les chaussettes avec le chien pour mon loulou. Voilà mon plus grand qui fait un 46-47. En fait, on a mesuré son pied avec la règle à chaussettes là et il fait toute la règle à chaussettes. C'est pas compliqué. Je reviens parce que j'ai commencé le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler. Je vous ai mis une petite séquence où on voit des petits ronds en bois avec des prénoms dessus. Voilà, c'est une idée de mon chéri avec son cadeau de Noël de l'an dernier. Je lui avais offert un appareil spécifique hein, qu'il m'avait demandé justement pour faire des gravures dans le bois. Parce que si, ben,
coup, donc vous ne devez pas le savoir. Mais mon chéri est menuisier, donc il travaille dans le bois. Et donc tout est parti d'une balade ce week-end où on a vu une décoration, une guirlande en fait qui était faite de petites branches mis les unes après les autres avec des perles en bois et des pommes de pin. Et je lui ai dit, ben, ça on pourrait le faire nous-mêmes en fait plutôt que de l'acheter. Et ça, il s'est dit qu'on pouvait faire donc des décorations de Noël. Et donc je vous ai mis une petite séquence où on le voit qui grave une petite rondelle de bois avec des prénoms. Donc ce sont les prénoms des enfants que je garde, que j'accueille à la maison. Et ça fera partie entre autres du cadeau de Noël qu'ils vont pouvoir offrir à leurs parents au moment des vacances. Donc voilà, je vous l'ai mis, mais c'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je vous explique parce que vous n'avez pas à savoir. Voilà. Et normalement, ils voudraient en faire pour notre sapin aussi. Pareil aussi, on se fait réflexion qu'on aurait pu faire tout un sapin avec nous, à nous deux pour les décorations, parce qu'entre moi, je tricote, je crochète, je pourrais faire des choses, et puis lui, il manie le bois, donc il pourrait nous faire des choses aussi. Mais voilà, je voulais juste vous partager. Comme c'est, j'ai vraiment des petits, j'ai vraiment des bébés, et j'ai des périscolaires. Mais pour mes bébés, voilà, ça va être un petit peu de peinture, ça va être vraiment quelque chose de simple, mais au moins c'est personnalisé et ça sera mignon. Je pense que ça fera plaisir aux parents, en tout cas je l'espère. J'ai également aussi oublié de vous parler mon calendrier de l'Avent, mais quand même, pour ça je l'ouvre tous les jours. Donc pour rappel, moi j'ai celui de chez Woolbags, et donc hier on avait ce petit lot d'anneaux marqueurs de Noël, qu'un anneau est avec un mousqueton, un Progress Keeper, trop mignon. Et aujourd'hui c'était un mini écheveau de 20 grammes, un très joli vert d'eau, de toute façon c'est pas compliqué, je crois qu'il s'appelle vert d'eau, oui, voilà, un très joli vert d'eau, très très joli. Et je pense savoir avec quoi ça va aller, mais ça je vous en reparlerai dans les jours à venir. Mais voilà. Je vais pouvoir mettre chaque jour, je mets le jour que j'ai eu sur l'étiquette pour après relayer. Alors comme c'est pas, je pense pas qu'il y ait un dégradé tout ça, donc il n'y aura pas de logique de les remettre. Mais si jamais j'ai envie de les remettre tous dans l'ordre que je les ai reçus, mais sinon il va les rejoindre ses petits copains dans le vase là-bas. Et voilà, pour aujourd'hui, cette fois-ci c'est vraiment tout. Je vous retrouve aujourd'hui, on est à Saint-Nicolas, le 6 décembre, pull de Noël oblige. Chez nous, Saint-Nicolas, c'est assez important, c'est quelque chose qu'on fête dans les écoles. Moi, je l'ai fêté avec mes petits, on est allé se rendre à la fête de la Saint-Nicolas qui avait lieu au relais petite enfance où on se retrouve entre assistantes maternelles et tout, et les enfants peuvent se retrouver ensemble. Donc on a fait la Saint-Nicolas, voilà, un moment fort en cette période de l'Avent. Alors nous, on est pas autant que ce que la Belgique peut le faire, et peut-être qu'en Alsace aussi ils sont un peu plus dedans. Nous c'est notamment des chocolats. Et les enfants passage, ils ont du charbon dans leurs chaussettes. Et ceux qui sont sages donc ont donc des chocolats. Chez nous la tradition perdure. Je le fais avec mes tout petits, je le fais toujours pour mes garçons. Ils ont chacun leurs chaussettes. Ils ont été assez sages. Nous aussi, parce que voilà, j'ai toujours ma chaussette d'il y a... Il y a sacrément longtemps que j'ai été sage. Elle est garnie de chocolat pour moi et mon chéri. Lui, il n'était pas très Saint-Nicolas, tout ça, mais voilà, on a débarqué avec nos traditions. Donc, il a droit à ses petits chocolats aussi de Saint-Nicolas. Donc voilà, vraiment Saint-Nicolas, c'est vraiment un moment que les enfants attendent avec impatience avant les fêtes de fin d'année. Juste avant, j'ai pu vous mettre l'ouverture d'un colis. Je vais revenir plus en détail dessus pour vous montrer de plus près ces jolies laines. Alors, j'ai reçu quelques petites merveilles de Didier, Dauphine de Russe, qui voulait me faire découvrir un petit peu sa laine et son travail.
Et j'avoue que je suis hyper épatée par ce qu'il peut faire. C'est vraiment très très beau et c'est complètement dans mes couleurs. Alors on va commencer avec celui-là. Donc je vous montre son logo au fil d'Horus. J'aime beaucoup. Très chouette logo. Regardez-moi ce rose avec des speckles violets, tout ça. C'est beau. Alors là, donc je ne parle pas anglais. Je ne parle pas égyptien, tant pis, mais c'est pas grave. JZ Sock, donc 75% laine, 25% polyamide, 420 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est le bal de Mykérinos. Oh, je m'en sors pas mal. Vraiment très très joli. J'adore les couleurs qu'il y a dessus, ça va être chouette. Donc ça, ça va finir dans des chaussettes. Parce que ben voilà, c'est de la laine à chaussettes, donc ça va finir dedans. Et là, j'ai un deuxième écheveau à chaussettes. Celui-là, c'est 50 grammes, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 212 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris Hathor 3. Et regardez-moi ce violet. Il est super beau. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, celui-là, il va peut-être partir dans des mitaines. J'ai bien envie de me faire des mitaines. Alors, à voir. Je ne sais pas si je fais celle de Atelier Emily. Emily Louis a sorti un modèle de mitaine gratuit, les modèles crème. Je sais pas si je fais celui-là ou si, parce qu'il faut du mohair en fait, avec et moi ça m'embête un peu le mohair. Mais sinon ouais, j'aime beaucoup. Ou sinon ça partirait dans des chaussettes, hein, je suis pas drôle. Oh, c'est beau, c'est vraiment super beau. Non, je sais, je voulais faire un modèle. Béatrice Maz a sorti un modèle. Non, elle n'a pas sorti. Moi, c'était il y a longtemps, mais je l'ai revu passer sur les réseaux. Un modèle de mitaine bicolore. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Enfin voilà. Donc hop. Ou même ces deux-là ensemble, ils iraient super bien. Au niveau des couleurs. Ensuite, sur sa base, Luxor Fingering, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris Ramsès. Il a aussi un super beau travail des speckles. Il est beau. Vous avez les... Là, sur mon retour caméra écran, il y a un super... Les couleurs sont vraiment fidèles. Super joli, super doux en plus. Et le dernier écheveau, et là gros coup de cœur pour, parce que j'adore cette base là, c'est Luxor Fingering aussi, mais c'est 100% Merino Superwash Single, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Pyramide. Oh, et regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors là, vous l'avez peut-être un chouïa trop clair. Il est un tout petit peu plus foncé en vrai. Mais au moins, vous voyez bien les différentes nuances qu'il peut avoir. Oh, c'est super beau. Et puis, c'est super doux. Et puis, j'adore le single. J'aime. J'aime énormément. C'est super beau. Et je me demande pourquoi pas... peut-être une petite... je sais plus c'est quoi là. La Sophie Scarf. De petite nit en tenant en double, parce que j'ai l'impression qu'il faut pas beaucoup de métrage pour faire la petite version. Je vais regarder de plus près, mais super beau. Donc voilà ce que vous avez pu voir juste avant, que j'ai reçu de la part de Didier. Donc je vais réfléchir, à moins que je mette ces deux là ensemble, je sais pas. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc c'est beau. Bon, là c'est des chaussettes mitaines, ça c'est sûr. Mais là, c'est de là à voir. J'aime beaucoup. Puis ça sent super bon en plus. Donc voilà ce que j'ai pu recevoir. Merci encore à toi Didier pour ces petites merveilles. Et il va vraiment falloir que je réfléchisse à ce que je vais pouvoir faire avec ça. Si jamais vous avez des idées de projets avec un écheveau, je suis preneuse. Ensuite, calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on a reçu ce bracelet. Donc c'est un lien en je sais pas quoi. Espèce de cuir là. Donc c'est un bracelet sur lequel il y a des petits anneaux marqueurs. Une super idée en fait, comme ça on peut mettre son bracelet sur nous à notre poignet. Et toujours avoir des marqueurs donc avec nous quand voilà on part en balade ou autre, ça peut être vachement utile. C'était ce qu'il y avait aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent Wool Bags. Et ensuite l'avancée de mon tricot. Alors, dans ma couverture, me revoilà au départ, me revoilà dans les sapins, voilà. Alors que je vous montre le début des sapins.
J'ai cru voir le sapin en négatif. Je me suis dit, oh, je me suis trompée dans mes sapins. Mais non, c'est juste que c'est à côté. Le sapin, il est là. Je me suis pas trompée. Tout va bien. Voilà. Hop, ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai encore quelques rangs pour finir ma section du jour. Et à ce niveau-là, je vous avais dit, hein, que je pensais que c'était des poinsettia. C'est super bien d'échanger avec vous parce que vous avez su me dire que donc... alors je sais que le poinsettia, c'est la fleur typique à Noël. Et donc vous m'avez dit que c'était l'étoile de Noël parce que la rose de Noël, c'est l'hélébore. Je ne sais pas trop si je le prononce bien. Mais toujours est-il que le poinsettia, donc c'est l'étoile de Noël. Et ceci n'est pas un poinsettia. Parce que l'une d'entre vous m'a su me dire exactement ce que c'était. Donc c'est une, je crois, celle burose, j'espère que je le prononce bien aussi. Il s'agit en fait d'un motif de rose norvégienne en octagramme. Voilà, donc c'est un motif norvégien, traditionnel norvégien, de rose en octagramme. Voilà, c'est ça ce que ça représente. C'est une selle burose et non un poinsettia. Que voilà, je me coucherai moins bête ce soir, j'apprends des choses grâce à vous. Ça va dans les deux sens, et c'est ce que j'aime beaucoup à travers mon podcast. Donc je suis repartie dans les trucs là, les sapins. Alors je le trouve finalement moins difficile de le refaire une deuxième fois parce que je m'embête moins avec mes croisements de fil. Je les croise classiquement, je me dis c'est pas grave si on voit un petit peu à travers le fil derrière. Je m'embête plus, j'essaie de les croiser assez bien pour que ça reste les fils derrière, les flottes restent bien contre le tricot, contre la couverture pour pas qu'on soit gêné. Parce que je vous avais dit ici c'est un peu trop flottant. Donc voilà, je les croise un peu plus, je m'embête un peu moins si ça se voit sur le devant. Je pense que de toute façon finalement ça se voit pas tant que ça. Puis après le lavage, ça ira. Alors l'une d'entre vous m'a dit aussi comment tu vas la laver, la bloquer. Alors ça c'est la bloquer, je sais pas. Vu que estimée à peu près à quasiment 2 mètres de long à la fin, il va falloir que je la pose en bas. Je peux pas, parce que nous habituellement je fais tout dans ma chambre parce que c'est une pièce que les chats n'y vont pas, donc je peux laisser mes tricots en sûreté là, mais là il va falloir que je le mette en bas près du feu pour que ça se chauffe bien et pour avoir la place de la mettre au sol. Sauf qu'on va avoir le problème des chats. Mais bon, on verra bien au moment. Mais je vais être obligée de la laver parce qu'il faut ne serait-ce que pour... Vous voyez ici que ça se lisse bien, tout ça. Il va falloir. Mais voilà, je m'étais dit peut-être que de refaire les mêmes motifs, ça allait être redondant. Mais au final, non. Ça va parce que depuis que j'ai fait les sapins, j'en ai fait pas mal d'autres. Donc ça va, je suis assez motivée de poursuivre. Et j'aime toujours autant la tricoter. Et puis la voir grandir, tout ça, de voir tous les motifs, c'est vrai que ça motive pas mal. Il y en a beaucoup d'entre vous qui voudraient le faire. Donc je sais que Lily, comme tout, quand elle vendait le kit, elle avait dit qu'il était encore temps de le faire avant Noël. Mais sinon, on pouvait... la diviser en 12 sections, puis vous avancez une section par mois, voilà. Et comme ça, vous l'aurez pour Noël prochain. Aujourd'hui, je porte mon pull Yuki, un modèle de Marianne Munier que j'ai tricoté dans les laines préconisées par le patron, donc de la Ulysse de Tererum Natura. Voilà, un modèle que j'adore, j'aime beaucoup ce motif là-dessus. Donc il y a tout le motif sur l'avant et l'arrière, hop, vous voyez un peu, il est tout en jersey comme les manches. J'avais acheté au départ le patron était disponible dans un magazine, le Making Stories, je sais plus le combien. Et depuis, le patron est disponible individuellement sur la boutique Ravelry de Marianne Munier. Donc voilà, c'était pour ce que je portais aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent, on avait ce très joli écheveau. Oh, j'aime beaucoup. Un bleu très doux, nuancé. Oui, ici c'est plus clair, des speckles. Et je me dis qu'il irait super bien. Je pense qu'il irait bien avec les chevaux que j'ai reçus, que je vous ai montré hier de Dauphine Dorus, le violet. Là, je pense qu'avec un petit contraste en bleu comme ça pourrait être pas mal. Et celui-là, c'est le coloris Cosmos. Et d'ailleurs, en fait, je sais déjà ce que je vais faire avec les chevaux qui est en fingering single coloris pyramide de mémoire. Gros gros coup de cœur pour cet écheveau. Et en fait, en le rangeant. Ah, vous voyez pas. En le rangeant là. Ouh, c'est pas facile. Là, ouais. Je mets surtout des écheveaux que normalement je vais tricoter bientôt. Oui, au-dessus, c'est le Shaïdor. Mais là, je l'ai rangé là. Et il s'est retrouvé à côté d'un écheveau. Et je me suis dit, ah, oh, ça irait super bien. En fait, j'étais en train de créer un combo pour faire un châle de Steven West. Et je crois qu'il va aller super bien dedans. Et ça me motive bien à tricoter ça. Donc, affaire à suivre. Je pense que ça devrait pas trop traîner sur mes aiguilles. Mais voilà, sinon, dans les calendriers de l'Avent, on est le jour 7. Voilà ce qu'on a eu. Ensuite, quand je vous ai mis juste avant le déballage encore d'une petite commande, j'ai recraqué chez Laine de Moutin. Je suis. Quand on aime, on ne compte pas. Elle avait remis sur son site des bulles de laine. Alors j'adore son idée de bulles de laine. Hop, je vous les montre. Donc en fait, ce sont des pelotes de 50 grammes de laine autorayante. Et elle les présente sous forme de petites bulles. Les petites boules. Et là, ça fait un plus. En plus, on peut vraiment se dire que ça fait des boules de Noël. C'est super bien. Vraiment idéal à offrir. Et c'est ce que je compte faire. Donc, j'ai pris celle-ci dans les tons verts. Très très joli vert. C'est le coloris Franklin. Donc voilà, bulle de laine auto-rayante. Il y a 200 mètres pour 50 grammes. Il y a à peu près 4. Les rayures font 4-5 rangs. Et ça va aller dans la hotte de mon chéri. Pour Noël. Avec un petit. Un petit bon à côté futur chaussettes ou mitaines tricotées avec amour. Au début, je me suis dit que j'allais lui faire des chaussettes, mais je sais qu'il veut des mitaines et voilà, je pense que il va les vouloir en mitaines. Alors 50 grammes, ça va pas être suffisant, je pense, parce qu'il a des grandes mains. Et donc, c'est là que je me suis dit, j'avais reçu un. Il y a quelques jours dans le calendrier de l'Avent, j'avais reçu ce mini-là. Peut-être que ça irait bien avec. Sinon, je sais que j'ai de la laine verte de chez Laine de Moutte. Et donc, peut-être que je pourrais combiner. Mais voilà, ça, celui-là, il va par... cette bulle-là, elle va partir dans les cadeaux de Noël. Et la deuxième, j'ai craqué pour les couleurs et puis aussi pour le prénom, Benjamin. Et donc, si je me trompe pas, ce coloris est pour son mari. Et j'aime beaucoup les couleurs. Regardez-moi ça, c'est beau. Et ça sera des chaussettes pour moi. Voilà. J'aime beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte les chaussettes Hector que j'avais fait justement dans une bulle de laine de Catherine, de Laine de Moutte. Donc voilà. Et puis, ah oui, puis vous aviez vu, il y avait un, je vous l'ai montré, il y avait un petit paquet. En fait, à chaque fois qu'on commande chez Catherine, vous allez recevoir un petit paquet. Et là, en cette période de fête, c'est trop mignon. Il y a plein de petits stickers, c'est trop trop beau. Et des marqueurs de fête pour les fêtes, super jolis. Hop, on est vraiment gâtés avec, en cette fin d'année avec Catherine. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux. Là, c'est Harry Potter en plus. Donc voilà. Voilà pour ce que vous avez pu voir juste avant. Je reviens donc avec ma couverture qui avance doucement mais sûrement, qui avance bien. J'ai quasiment fini et j'ai hâte quand même que vraiment les sapins, c'est pas ce que je préfère tricoter. J'ai bientôt fini les sapins, vous voyez, ça ressemble bien à des sapins. Et je sais pas pourquoi, c'est pas la section que je préfère faire. Ouais, je pense que c'est vraiment celle que j'aime le moins et c'est celle qu'on fait le plus. Voilà. Parce que comme on commence par les sapins, on fait trois fois le modèle et on refait encore une dernière fois les sapins pour terminer le haut du plaid. Enfin voilà, toujours est-il que bon, ça avant, j'ai bientôt fini les sapins et ça c'est chouette. Après, demain j'attaquerai ce motif-là et après ça sera encore un gros motif. Cette zone-là, elle est plus cool. C'est, je trouve, un peu plus. Moi, c'est moins long à tricoter, j'avais trouvé. Enfin bref. Ça avance. Elle commence à faire son poids. Je verrai à la fin combien j'ai utilisé de pelote.
Mais si je l'ai dit à quelqu'un, donc il y a 17 pelotes pour la couleur. Pour moi, c'est 17 pelotes de marron, 14 pelotes de beige, je crois, 11 pelotes de bordeaux, quelque chose comme ça. Donc, ouais, non, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal de poids tout ça. Mais au moins, quand on sera en dessous, on aura bien chaud. Elle sera, ouais, elle va bien se poser sur nous. Donc là, il me reste que quelques rangs, et ça, je suis contente. Quelques rangs pour aujourd'hui finir ma section, et comme ça, je vais pouvoir avancer sur mon pull gaja dont j'ai repris la deuxième manche. Mais bon, j'avance doucement, j'avance pas très vite dessus, donc je vous la remontrerai un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui je porte un pull tout tout doux que j'aime énormément, vous le savez, c'est mon pull chaton, un modèle de Atelier Emily qui voilà, qui a des petits, une toute petite dentelle parsemée un peu partout sur le corps, vraiment très joli, je l'aime énormément avec ses manches ballons, ses côtes resserrées, je l'aime beaucoup. J'ai tricoté dans le Touch Me Wear de We Are Knitters, j'ai repéré un autre modèle, j'ai repéré un patron de pull sur quoi? Sur Ravelry, qui a été tricoté justement avec, spécialement avec ce fil-là, tenu en double également. Et franchement, je pense que j'aimerais beaucoup me refaire un autre pull avec ce fil-là, parce qu'il est vraiment très léger, très doux, très agréable. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas. Mais bon, il n'y a pas d'urgence, hein. Si j'ai déjà tricoté ce que j'avais à la maison, ça serait pas mal. Aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent de chez Woolbags, voilà ce qu'il y avait. Oh, comme il est beau! Alors c'est marrant, c'est parce que bah, moi je l'ouvre le matin, donc je vois les couleurs, tout ça, mais voilà, à la lumière artificielle et puis pas en pleine lumière non plus, moi c'est un peu en lumière tamisée. Et le revoir l'après-midi comme ça, là vraiment, voilà, on est en plein après-midi, il y a un grand soleil, j'apprécie davantage les couleurs et tout, et je le redécouvre en fait, et c'est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup avec ses speckle roses, tout ça, il est très joli, et c'est le coloris chamallow. Voilà, jour 8. On a fait un tiers du calendrier. Donc, ensuite, je voulais vous parler, j'avais tricoté des chaussettes, hein, vous savez, je voulais, c'était il y a bien 2-3 vlogs. J'ai eu peur d'un coup, le chat il est juste à côté du sapin, j'ai cru qu'elle allait rentrer dedans. Parce qu'ils sont du genre à grimper dans le sapin, oui. Enfin bref, j'ai fait des chaussettes que je compte offrir à Noël et j'ai ajouté une petite étiquette trop mignonne ben, pour les offrir. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors il me reste à couper le fil derrière parce que j'ai pas coupé, mais voilà. Alors ça c'est une étiquette que moi j'ai eue dans un patron de You Need to Learn, Noémie. Je vous mets le nom, le lien vers le patron en dessous dans la description. Quand il y a un patron de chaussettes et dedans il y a trois étiquettes, une feuille où on peut imprimer trois étiquettes pour mettre sur ses chaussettes et offrir. Donc voilà, c'est vachement bien. Vous avez un patron de chaussettes et une étiquette et des étiquettes en plus. Donc c'est vraiment chouette. J'ai pas encore fait le patron. Un jour, certainement, c'est des sockets. Mais je voulais vous montrer, je trouve que c'est vachement bien. Voilà, ça finalise le petit cadeau pour les fêtes. Je trouve ça vachement sympa. Et donc, au niveau de ma couverture de Noël, voilà, j'ai fini ma section du jour. Je suis super contente. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai tricoté autant de rangs ici que sur la moitié de mes sapins hier. Mais clairement, les sapins, c'est vraiment, là, je m'en suis rendu compte, c'est vraiment la section qui me demande le plus d'attention. En fait, il y a tellement de...
C'est très... En fait, la section pour retenir tout un motif, elle est... le nombre de mailles, il est beaucoup plus grand. Donc, je regarde davantage mon diagramme que pour ici, où c'est un simple chevron. Il y a des fois, c'est 3 mailles rouges, 3 mailles marron, 3 mailles rouges, 3 mailles tout le long, 5 marrons, une rouge. Donc, c'est très, très facile de retenir, de se repérer. Là, sur les sapins, c'est quand même plus compliqué. Sur l'envers, ben, je me repère moins bien que sur l'endroit, donc c'est plus long. Mais ouais, donc là, cette partie-là, elle a été beaucoup plus rapide à tricoter, parce que j'ai pas eu plus de temps aujourd'hui qu'hier pour la faire. Je crois même qu'hier j'ai eu plus de temps hier pour la tricoter. Enfin bref. Ça, mais ça aujourd'hui ça a été beaucoup plus rapide qu'hier. Puis aussi, ben, il y avait des mailles, des rangs que de mailles en droit sans jacquard. Ça aide. Par contre je déteste. Alors je déteste parce que c'est dû à la grosseur de laine, mais je déteste faire les rangs où c'est une maille 1-1. Une maille rouge, une maille marron, une maille rouge, une maille marron. Comme on a, vous allez peut-être mieux les voir là. Là, ce rang-là, là, quand on fait une maille de chaque couleur, je déteste faire ça parce que moi, je suis quelqu'un qui appuie tout le temps sur son aiguille. Ça me fait super mal à la longue. Et avec des grosses aiguilles comme ça, j'aime pas. Sur des petites aiguilles fines, il n'y a pas de souci. Mais alors, sur des grosses aiguilles comme là, je n'aime pas du tout. Mais toujours est-il que, ben voilà, ça avance. Ça avance. Je tiens mon rythme. Je m'en lasse pas. J'ai plaisir de la voir grandir. Je me répète, hein, mais bon, tant pis, je me répète. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de ce vlog parce que on est vendredi, mais demain j'ai pas l'occasion de tourner, donc ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est pas un pull que je vous présente parce que voilà, en dessous c'est une chemise industrielle. Alors en dessous j'ai un pull, c'est le French Coast de Nadia. C'est pas du tout assorti avec le reste au-dessus, mais elle se voit pas du tout. Mon pull se voit pas du tout en dessous. Bref, j'avais froid, je me suis remis une couche et je porte le châle Tangerine Sky, voilà, de Nadia de NCN Knits, que j'avais tricoté dans des couleurs qui sont pas mes couleurs habituelles, mais que j'aime beaucoup. Et je sais plus les couleurs. Ouais, non, je sais plus. Non, je saurais plus vous dire c'était quoi les couleurs. Je vous le mets à l'écran, je vous ai mis le nom, je vous ai mis les laines utilisées. C'est vrai, je sais plus c'est quoi ce bleu. Enfin bref, toujours est-il que ben voilà, il... alors je porte pas beaucoup de bleu, mais il s'associe bien avec quelques-uns de mes vêtements, dont cette grosse surchemise qui me tient bien chaud en ce jour extrêmement froid. Mais on est content, il fait sec, mais froid, mais c'est parfait, c'est bien. Tant qu'il pleut pas, moi ça me va, nickel. Mais quand il pleut, c'est bien, moi ça me dérange pas la pluie, tant que c'est un jour où on bouge pas. Où on reste cocooning à la maison, il peut pleuvoir, ça me dérange pas. Mais là, froid et sec, j'aime beaucoup. Calendrier de l'Avent, aujourd'hui on a eu ce très joli rouge que vous voyez un peu trop vif, plus peut-être là, ouais, un très joli rouge qui sera parfait pour faire un contrastant dans pour des chaussettes de Noël. Pour moi ça me, voilà, ça sera parfait pour des chaussettes de Noël et c'est le coloris pomme empoisonnée. Voilà pour ce jour 9. Hop hop hop. Que j'aime, bah je trouve, ouais, j'aime bien. Pour, franchement, pour, je me suis dit, bah voilà, le rouge c'est vraiment Noël. Nous, notre sapin, il est vert et rouge. Voilà, le rouge pour Noël, ça ne dérange pas du tout. Je reviens en cette fin de semaine, en cette fin de vlog, avec un projet terminé. Oui. J'ai terminé mon pull Gaja. Il a deux manches avec tout, encore tous ces petits anneaux. Une manche et puis la deuxième. Voilà, j'ai cru que ça allait, alors, autant j'ai fait une manche le week-end dernier, autant il m'a fallu toute la semaine pour faire la deuxième manche. C'est comme ça, après forcément la semaine je travaille, j'ai moins de temps pour tricoter. J'avais l'impression d'être longue quand je faisais la partie avec les diminutions. Alors j'ai mis les diminutions en dessous, c'est marqué par les petites ampoules en dessous. Et ensuite j'ai marqué les motifs que j'avais à faire avec des ampoules au-dessus. Et au final, quand je faisais les diminutions, ça me paraissait long, long, long. Et une fois que je suis arrivée là, que c'était les derniers motifs à faire, ça a été beaucoup plus vite, c'était chouette. Et bah voilà, la même finition que moi. Je vous l'ai déjà montré en début de semaine. On fait des côtes 1-1 torse au niveau de la dentelle et des côtes 2-2 normales sur le reste du poignet. J'aime beaucoup ce détail.
Alors, je l'ai essayé, ça fronce pas du tout à ce niveau-là. C'est vrai, arrivé sur moi, ça se met bien. L'encolure en V est beaucoup plus profonde que je ne le pensais. Parce que j'ai en fait cette partie-là avec la dentelle qui a vraiment tendance à se mettre sur le devant et pas bien en haut. Bah, pas sur le haut de l'épaule, mais vraiment sur le devant. Ce qui fait descendre le V encore plus profond. Voilà. Alors, je sais pas trop combien. J'ai beaucoup d'aisance positive au niveau de ce pull-là. Mon échantillon était pas bon. J'avais hésité entre deux tailles. J'aurais pu prendre la taille en dessous. Mais voilà, il me va bien. Si j'aurais pris la taille en dessous, il aurait quand même fallu que je fasse attention aux manches parce que les manches, elles sont juste bien. Donc voilà, là je vais le laver. Au niveau de la longueur, il est pas mal, mais je vais quand même l'étirer un peu dessus pour qu'il prenne un peu plus de longueur. Vu qu'il est fort large, je pense que ouais, j'aimerais bien qu'il prenne un peu de longueur. Mais je suis contente, il est terminé et donc je vais pouvoir le porter pendant les fêtes. Je suis vraiment contente, j'aime bien. Ça va être super beau. Donc voilà, un projet terminé cette semaine, ça fait plaisir, tout en ayant continué ma couverture, donc ça c'est chouette. Je vais vous montrer les chaussettes. Je vous les avais montrées en début de semaine, des chaussettes que je tricote pour mon garçon. Bon, finalement, je les tricote pas du tout secret. Il les voit, il a validé les couleurs, on est content, tout va bien. Je vous avais montré le début des côtes en deux, des côtes 3-1. Et voici le début du jacquard. Alors, ce n'était pas un Shiba, c'est un Akita. Et avec les couleurs que moi, mon garçon a choisies, je trouve que ça fait un Yuski. Alors. Il est pas, on vous reconnaît bien la tête, les oreilles, tout ça. Au niveau des yeux, ce n'est pas très clair puisqu'en fait c'est en duplicate stitch. Ça veut dire qu'on va venir avec un autre fil repasser sur les mailles. En fait, avec une aiguille, on prend un fil de la bonne couleur, on vient repasser sur les mailles qu'il faut pour dessiner les yeux et le nez. Donc pour l'instant, il a pas ses yeux, il a pas sa truffe, mais ça sera fait plus tard une fois que les chaussettes elles seront terminées. Comme ça fait un jacquard que à deux couleurs et après on vient juste broder. En fait, on vient voilà broder les yeux parce que c'est juste quelques mailles par-ci par-là. Donc voilà, ça avance. Vu que là j'ai fini mon pull gageage, je me suis concentrée sur le jacquard ici parce qu'il faut que je sois avec le livre et tout, c'est pas transportable. Faut que je sois concentrée. Donc là mon objectif ça va être de finir le jacquard pour que ça redevienne une chaussette zéro cerveau, tricot partout, nomade, tout ça. Voilà. Mais j'ai déjà bien avancé dessus, il reste pas énormément sur le chien à faire. Donc c'est un modèle de Charlotte Stone qui est dans son livre 25 modèles, je sais pas quoi, de chaussettes, que des chaussettes de jacquard. De toute façon, je crois qu'elle fait que des modèles de chaussettes en jacquard, j'ai l'impression. Enfin voilà, et elle aime beaucoup le rendu. Alors là, je tricote en jawal. Là, c'est la Mélène White de Lana Grossa, extra fine, elle est super douce. Et ici, c'est de la bien-aimée Super Sock qui est un petit peu moins douce. Voilà. Je vais de toute façon mettre sur ma fiche Ravelry tous les références d'Hélène que j'utilise. Et je lui fais la plus grande taille. Mais ça me paraît pas mal. Et je lui ai fait très large ici, très élastique là, parce que c'est ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il veut. Et par contre, contrairement au patron, parce qu'en fait le patron on fait le jacquard et on fait le talon, moi je vais refaire je vais agrandir la tige en refaisant. Après c'est toujours en fait des côtes 3-1 sur le dessus du pied. Donc moi je vais en refaire en dessous du jacquard pour avoir une hauteur de tige plus conséquente parce que c'est ce qu'il désire. Et enfin ma couverture de mon plaid de Noël. Je viens vous montrer la section. J'ai fait que la moitié de mes rangs pour du jour. Il me reste encore quasiment autant de rangs à faire aujourd'hui pour finir ma section. Je suis revenue sur les selburoses. Alors je vous ai dit une, mais en fait c'est un selburose. Donc pour rappel, hein, le selburose c'est ce motif de fleurs de rose norvégienne en octagramme. J'ai retenu la leçon. Donc voilà, je suis repartie dedans. Ouais, c'est moins compliqué. Franchement, les sapins, c'est vraiment la zone la plus compliquée. Mais voilà, toute la hauteur, je sais plus, je l'avais déjà mesurée, mais là je dois être à peu près à 70-75 cm de haut déjà. Donc quand je la tricote, elle me pose bien sur les genoux, j'ai bien chaud, tout ça, c'est pas mal. Alors par contre, à force de tricoter et de pousser tout le temps sur les aiguilles, ça commence à me faire un peu mal aux doigts cette affaire. Mais bon, voilà, je serai quand même super contente quand je l'aurai terminée, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et quand je vais revenir vous voir, lundi, parce que donc là, moi, samedi, dimanche, je suis censée faire l'autre moitié des selburoses et faire la section ici. Donc lundi, je reviens pour faire, j'aurai les cœurs à faire, le petit truc tout simple ici, avant de réattaquer les sapins pour l'avant-dernière fois.
Non, ça avance bien finalement. Je crois que je le divise en 8 sections, donc en un peu plus d'une semaine, j'arrive à faire toute une répétition de motifs. Une répétition de tous les motifs en 8 jours, donc ça avance bien. Par contre, ce qui va être moins drôle, c'est qu'à la fin, il faudra relever les mailles sur tous les côtés pour faire la même bordure en côte de 2 qu'ici. Mais bon, ça sera la fin et je me dis que... Ouais, non, ça sera vachement bien. Bah, voilà, ça sera la fin, donc ça motivera, ça sera chouette. Donc voilà, on a fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci énormément pour tous vos messages, pour tous vos partages de vos histoires que vous pouvez vivre et tout. Je suis extrêmement touchée de vous apporter un peu de réconfort parfois dans les moments difficiles que vous avez pu traverser. Ça me touche énormément que vous me partagez avec vous Voilà, vos peines, vos moments difficiles que vous avez pu vivre, ça m'émeut beaucoup de savoir que j'ai contribué un petit peu à vous réconforter, ça me touche beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue sur Ko-fi, ça me touche énormément. Vous me dites que c'est pas grand-chose, mais pour moi ça représente beaucoup, donc encore un grand merci à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!